J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un. Il nous vient d'Angoulême. Lucien de Rubempré, pour vous servir. Pour lui, la poésie est une chose sacrée. Une sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble. Paris. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste. Et tu crois que c'est quoi mon métier ? Vous éclairez les gens sur l'art. Le monde. Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal. Notre ligne éditoriale sera simple. Le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable. Je sais qu'il vaut mieux que cela. Vous croyez ? Tous ces magouilles, ce n'est que du bruit, du vent. Il nous faut apprendre à jouer avec tout ça. Tout est pourri partout, tu trouves pas ? Il faut se battre pour faire des belles choses. Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste. Il nous a trahis, Fumier. Il faut l'abattre. Il faut taper là où ça fait mal. Il est trop tard pour avoir peur. Ce soir, vous avez été incroyable au concert. Vous m'avez fait kiffer à mort. Dépêchez-vous! De lancer notre label en indé et il va s'appeler Apache Music. Maintenant, faut qu'on le rende fier. Est-ce que vous êtes déjà chaud sur des artistes ? Bah, on cherche notre première signature. Attends, mais Inès, c'est une meuf. Ouais, mais une meuf meilleure que la majorité des mecs. Ah, incroyable. Bref, t'es sur les réseaux sous King. T'es repris par les plus gros comptes de rap français. Ça va, ça va ou quoi ? Non, ça va pas du tout. J'ai pas envie de te raconter ma vie, mais c'est pas pour rien que j'ai arrêté la musique. Oublie-moi, c'est mieux. Je veux niquer Apache Music. Et j'ai besoin d'aide pour ça. Brahim, te remets pas dans les embrouilles, on a pas besoin de ça, frère. Et ouvre les yeux, on est déjà dans les embrouilles. Tiens-moi-le. Sors, avancez. Il est où, mon oseille? Il est où, Fatou? Il est où, Liam? Non. Comment tu fais pour aussi bien dormir? Arrête! T'as eu mon texto? C'est 5h42, 5h46 ou 5h48? J'ai besoin de parler, moi. Parler? Monstre, pute, salope. Je crois que t'as le syndrome de la Tourette. Tu veux pas qu'on se réconcilie? Non. Tu crois vraiment qu'il y a plus rien à sauver entre nous? Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'étais pas déjà là hier? Si, hier, avant-hier, j'ai enchaîné 6 nuits de suite. Tu vas jamais tenir à ce rythme. J'ai peur qu'il me garde. Non, mais c'est pas possible. On va trouver des solutions. Puis tu peux prendre une infirmière à domicile, non. Quelqu'un pour te faire le ménage. D'accord, moi, c'est comme si j'étais ma grand-mère, là. On peut avoir un peu de sous, s'il vous plaît? Non, c'est pas possible, monsieur. Il y a Macron qui va parler, j'ai envie de l'entendre, c'est tout. Vous allez pas nous obliger à écouter Macron. Vous n'êtes pas non plus un martyr. Je suis pas un martyr, vous trouvez ça normal, vous, qu'on me tire dessus? Non. À votre âge, à mon âge, mais pourquoi vous battez? Mais c'est pathétique. À mon âge de quoi? Vous me faites chier avec mon âge. Aïe! Moi, ce que je voulais, c'était que Monsieur Macron, il vienne nous voir et nous dise, on va parler. Le problème, c'est que notre colère à nous, elle est pas légitime. C'est dans la merde aussi, non? Ouais, je suis dans la merde. J'ai mon coude qui a explosé, je vais plus pouvoir bosser et ma copine me quitte. Tu n'es pas toute seule, d'accord? Tu fais jamais attention, jamais. C'est plus possible. Est-ce que vous avez des lits disponibles? Parce qu'on commence à avoir beaucoup trop de monde. Il y a plus de kétamine, vous savez où je pourrais en trouver, là? On en a plus. Franchement, je vous admire. Hein. C'est gentil, hein. Mais vous savez, moi, je pense que je vais bientôt quitter le service. Ça va un moment de donner de sa personne tout le temps, tout le temps, tout le temps, et de pas sentir qu'on nous respecte. Ni nous, ni notre travail. Pas la coucher, là. Là, on va voir. Vous avez pas un mari ou... Il n'y a pas toujours des maris. Je lui pose la question, je sais pas.
deux sortes de personnes, papa. Ceux qui ont un bibot et ceux qui en ont pas. Salut à tous. Oh, Sophie, désolé. Oh, ça va, j'ai un filtre pour ça. Quoi, il faut un bibot pour avoir une vie sociale? Eh oui, il y a de ça, en fait. Je ne veux pas que tu sois dépendant d'un gadget. Oh, papa, tu m'en as pris un. Bonjour, Barney. Je suis ton meilleur ami prêt à l'emploi. Qu'est-ce que tu fais? Barney, ton bibot est trop bizarre. Je suis le bibot de Barney. Tu viens dans ma cabane secrète pour le liker? Non, non, non. À nous, Ron. Il y a plein de codes qui te manquent. Reste pas là! T'es censé tout savoir sur moi. Cheveux, brun, taille, 1m50. 1m80 serait mieux. Les filles se moqueraient pas de toi. Hey! Il est fabriqué pour te faire des amis. Demande d'amis, demande d'amis. S'il peut pas faire ça, c'est genre, il sert carrément à rien. Oh, il me démonte la tête. Je peux pas lui démonter la tête, on va être embêtés. D'accord, je peux pas lui démonter la tête. Je suis pas méga sécurisé et tout et tout. Copie-le, trouve le code. Déverrouillé. Je vais me pencher là-dessus. Tu crois? Tu vas pas rester ici. Ils vont t'envoyer au broyeur. On va au broyeur ensemble. Non, le broyeur, ça a rien d'amusant. Pas amusant. Où est-il? Vous trouvez le rebelle. On a besoin de personne d'autre. J'ai un ami aujourd'hui. C'est aussi triste que pathétique. Quoi? Plus vite! Pas de problème. Tu t'amuses bien avec moi? Salut mon grand. Alors ce bibot. Bon, allez vous deux, les quatre mains en évidence. Je sais pas. Éteins-le et puis rallume. Les femmes que vous allez voir sont toutes les patientes du plus grand scientifique français de notre époque. Vous êtes en retard, Geneviève. Vous pourrez de bien vouloir m'excuser, maître. Le docteur Charcot. Déclenché. Vous n'entendez que ma voix. C'est vous qui lui faites ça. Vous nous rendez folles. Faites-la taire. Non ! Faites-moi taire, parce que je pourrais tout dire. Non ! Non ! Je n'ai pas qu'à contaminer plus fragile. Bienvenue. On va commencer simplement. D'accord, Eric ? Ce sera pas plus cher, t'inquiète pas. The power in me, it's your light craze. I feel the fire within, runs through my veins, and watches I turn everything into gold. Can you really put a value on human life? An asteroid 2 miles wide will fly by Earth. The public is being warned not to panic. Something follows me. I see it all the time. Stop living in my past. You are basically going to sleep while his mind takes over your body. It's easier to live in an illusion than it is in reality. Not everyone is blessed with the luxury of eternal life. God, how many sins have I committed this month? 9 sins this month. I wonder what he's thinking about, floating up there all by himself. You have 6 days, 11 hours, 34 minutes left. Yeah, good luck with your thoughts and prayers, man! Turn off.
time just becomes more precious. Come on, come on, have some fun, fun! I've never felt more alive my entire life.